Bonjour, voici la présentation de l'oracle sacré. Alors le dos des cartes est comme ceci. Et puis là tu vois, tu as la carte de la source, le divin. Quand tu tombes sur cette carte là, ou quand elle est dans ton jeu, elle te montre que malgré les difficultés, eh bien tu sauras passer au-delà de tous les obstacles. Et donc cette carte, elle t'invite vraiment à croire en toi. Et si en plus tu sors dans ce jeu la carte des aides, parce qu'il y a les aides aussi, on va regarder si on la trouve, eh bien dans ce cas-là tu sauras que tu es bien accompagné. Voilà, tu vois, et en même temps, eh bien je te présente la base du jeu, hein, qui est là, l'oracle sacré. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs thèmes. J'ai essayé le plus possible, voilà, d'avoir quelque chose de large et de simple aussi, parce que juste avec les mots, un seul mot peut... Le but est de déclencher vraiment cette connexion avec ton intuition, et un seul mot peut t'emmener aussi à te faire confiance, à recevoir d'autres mots, des phrases, des images, des ressentis. Et c'est pour ça qu'il est très simple d'utilisation en fait, c'est-à-dire qu'avec lui, tout est possible. Voilà, de temps en temps, je t'en ai mis deux pour t'aider. Et j'espère que les illustrations t'inspireront aussi, t'emmèneront dans un certain imaginaire. Et que tu pourras comme ça te relier à ton intuition, reconnaître les différents canaux de ton intuition, la clairvoyance, clairaudience, clairsentience, c'est le clair-ressenti, la clairsentience. Voilà, je te montre. Je cherche en même temps les aides. Là, j'ai mis une petite subtilité. Il y a aussi d'autres notions de temps. C'est toujours le temps, c'est pas évident. Il y a le présent, là, dans la fenêtre. Il y a d'autres cartes où il y a passé et futur. Voilà. Donc, tu as aussi des cartes qui sont pas très, très agréables. Hein. Voilà. Hein. Hop. Il y en a plein comme ça. Hop, voilà. Voilà, il y a écrit le passé dans le cœur. Voilà les aides. Je l'ai cherché en même temps, je t'ai présenté l'oracle. Donc, tu n'as peut-être pas tout vu, mais ça restera la surprise pour le reste, bien que quand même, je l'ai beaucoup, beaucoup dévoilé. Donc, si tu as cette carte-là, tu vois, il y a une autre carte pas très positive, hein, ben justement, pour qu'il soit le plus fidèle à ce que nous vivons dans nos vies. Si tu as ces deux cartes-là, alors tu peux être sûr qu'il n'y a pas de souci, qu'il y a une belle protection. Celle-là est une très grande protection, et celle-là, c'est que tu peux recevoir des aides. Tu peux te demander des aides en fonction des cartes qu'il y a autour. Mais aussi, ce sont les aides aussi extérieures. Hein. Il n'y a pas que les anges, les guides, hein, les archanges. Bien sûr, il y a l'aide du divin, de la vie, tu l'appelles comme tu veux. Voilà. Et tu as aussi les deux cartes de l'homme. Donc de la femme, donc de l'homme, sacré masculin, que j'ai appelé forcément sacré féminin. Voilà, comme ça, tu peux avoir la présence d'un homme ou la présence d'une femme dans le jeu. En général, quand cette carte, elle ressort, eh bien, c'est que cet homme ou cette femme, dans le jeu de la consultante ou du consultant, est vraiment importante, important ou importante, voilà, pour lui ou elle. Je te disais ici deux jeux, je ne sais pas si j'ai dit, c'est deux jeux en un. Eh bien, deux jeux en un, parce que j'aime beaucoup la géomancie, elle apporte des périodes de temps, c'est toujours difficile, hein, le temps, comme je te le disais, et elle apporte des renseignements supplémentaires. Tu peux très bien utiliser ce jeu qui est composé de mémoire de 16 cartes tout seul, voilà, hein, ou accompagné, ou avec l'oracle sacré. En sachant que dans l'oracle sacré, je t'ai mis des périodes de temps avec automne, tu vois, le printemps avec les quatre saisons, l'hiver et l'été, voilà. Donc tu peux très bien utiliser le jeu tout seul en complet, ou l'utiliser avec celui-ci, voilà, avec la géomancie, et du coup, ben, découvrir un petit peu la géomancie de manière très très synthétisée, hein, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Voilà, donc
Tu auras accès à un PDF avec l'achat de ce jeu, un PDF que tu peux imprimer sur la signification des cartes et sur la signification des figures géomantiques, en fait, toutes les cartes, hein, tu vois, voilà, toutes. Et aussi un groupe Telegram juste pour l'oracle sacré pour pouvoir me poser toutes tes questions pour que je puisse voilà t'aider dans la prise en main de ton oracle. Voilà. Il est très fluide, très clair. Moi-même, je m'attendais pas en fait à avoir autant. Je voulais qu'il soit très très simple. Et très fluide, et je dois dire que je suis assez contente pour ça. Ouais, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi clair. Maintenant, est-ce que c'est parce que c'est moi qui l'ai créé qu'il est très clair pour moi? C'est tout à fait possible. Je ne suis peut-être pas complètement objective. Il va avoir une boîte comme ça, donc il aura ce dessin-là avec écrit oracle sacré au milieu. Voilà, un petit texte au dos de la carte. Donc en fait, tu auras la boîte comme ça. Voilà. Donc ce sera une boîte comme ceci, toute simple en fait. Voilà. Hein. On peut ouvrir là facilement, mettre le pouce. Et avec ce design-là dessus, l'oracle sacré, un petit texte au dos de la boîte pour te présenter l'oracle sacré justement. À la limite, je pourrais t'en faire. Je vais te poster sur les réseaux sociaux justement un petit peu le descriptif de mon oracle. Voilà. Eh bien, c'est parti. J'ouvre les précommandes de l'oracle sacré. Si tu veux te l'offrir pour Noël, eh bien c'est maintenant. Voilà, pour être sûr de l'avoir pour Noël. Les livraisons, je les pousse en octobre et novembre pour, voilà, pour éviter tout problème d'impression ou quoi. Je préfère prendre large et si ça arrive avant, eh bien tant mieux, tu le recevras plus tôt. Mais voilà, merci à toi et puis eh bien, j'ai hâte que tu me dises ce que tu penses, tu viens de le voir, de cet oracle. Eh bien, à très très vite, après ton achat dans le groupe Telegram à la fin de l'année. Passe une belle journée.